Cécile, on ne se demande pas s'il faut cohabiter ou non, on gère l'urgence. Simone Veil, Elisabeth Guigou, mais aussi Charles Millon et Philippe Herzog lancent une souscription nationale pour venir en aide aux femmes victimes de la guerre en ex-Yougoslavie. L'argent collecté sera redistribué aux différentes associations humanitaires présentes sur le terrain. Et nous avons pensé qu'il fallait un geste concret qui amène les Françaises, les Français à dire concrètement, au-delà de notre émotion, nous participons à quelque chose qui va aider les femmes victimes de la guerre. D'où cette idée de souscription nationale. Donner de l'argent à des organisations humanitaires qui sont sur le terrain, qui font des choses concrètement et sur des projets précis. Ce que nous voulons leur apporter, c'est une aide, je dirais, psychologique, une aide médico-sociale, permettre que ces centres dont elles ont besoin pour être accueillies si elles sont enceintes, à la suite d'un viol, si elles ont besoin d'un traitement psychologique, il y a eu beaucoup de suicides, si simplement du fait du traumatisme, elles ont besoin d'un dialogue, de parler ou d'être occupées. On peut songer à des ateliers thérapeutiques, comme certains ont pensé. C'est un comité de sélection présidé par Simone Veil qui déterminera quels projets précis, quelles organisations humanitaires recevront les fonds ainsi collectés. Et que ce fonds sera donné à